Comment réalisé par l'Égypte face à une récession mondiale? Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Hanifa, l'animateur qui va vous accompagner durant les prochaines minutes, durant presque moins de 60 minutes qui sont larges de cette nouvelle édition de Direct, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment aujourd'hui, ou avec plus de précision, en fait, ce que je viens de vous proposer il y a quelques instants, ce ne sont que parmi les grandes lignes de cette édition. Toujours, comme vous savez, toujours une sorte de récession qui frappe le monde entier. Donc, quelles sont les politiques adoptées par l'Égypte dans le domaine monétaire, économique, socio-économique? Comment l'Égypte essaie toujours de doper un peu plus la protection socio-économique? C'est ce qu'on va savoir à travers les analyses, les explications de notre invité de marque qui se trouve aujourd'hui au studio de Native International, mais aussi à travers des reportages explicatifs. Justement, avant de commencer cette édition, je suis en fait très ravi de retrouver une Égyptienne qui est consultante dans les relations internationales, mais aussi dans les études économiques. Il s'agit de Samar Ahmed Al-Assar, qui se trouve aujourd'hui au studio de Native International. Merci beaucoup pour votre présence. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, Samar Ahmed Al-Assar, c'est une spécialiste dans les domaines des études économiques qui sont présentées par, qui sont présentées plutôt aux investisseurs étrangers pour savoir l'évolution, la performance de l'économie égyptienne. Donc, encore une fois, je suis en fait très, très, très ravi de vous retrouver. Merci beaucoup. Donc, en fait, aujourd'hui, nous avons plusieurs nouvelles concernant que ce soit l'activité présidentielle, mais aussi concernant les activités déployées ou faites actuellement par notre ministre égyptien des Affaires étrangères qui se trouve à New York pour assister aux réunions de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce sont bien sûr des réunions annuelles. Et là-bas, il y avait des rencontres très importantes concernant plusieurs dimensions, notamment les dimensions économiques, et ça dans le cadre du changement climatique dont souffre le monde entier. Mais pour commencer, à la une donc de l'actualité qu'on a aujourd'hui, c'est le président égyptien Abdel Sisi qui a examiné les efforts de l'État dans le secteur de la fabrication des prothèses, et ce, dans le cadre de la stratégie de soutien des citoyens aux besoins spéciaux. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président Sisi avait enjoint d'établir un complexe industriel complet pour la fabrication de prothèses en coopération avec les grandes compagnies étrangères célèbres dans ce domaine. Le président Sisi a d'autre part enjoint d'adapter les services de l'État pour se conformer aux personnes aux besoins spéciaux, et ce, selon ou conformément des normes internationales dans ce domaine. Presque deux ou trois minutes, nous avons proposé une nouvelle concernant le président égyptien Abdel Sisi qui a examiné les efforts de l'État égyptien dans le secteur de la fabrication des prothèses. Et toujours, nous avons ici au studio de NAL TV International Samar Ahmed Al-Assar, spécialiste dans les études économiques. Ma question porte sur cette fois-ci la tendance, les orientations faites par l'État égyptien afin d'intensifier ce qu'on appelle la localisation de l'industrie. Comment ça représente une sorte d'opportunité très prometteuse pour l'Égypte dans de telles conditions mondiales frappées par plusieurs crises comme la récession par exemple? Alors tout d'abord, je vous remercie encore une fois de m'accueillir aujourd'hui. Alors en ce qui concerne cette nouvelle, il faut savoir que l'industrie en Égypte est diversifiée. On compte plus de 150 domaines de diversification dans l'industrie, qui représentent à peu près 6% du PIB. Ouais. Donc du coup,
Quand on parle du président Abdel Fattah el-Sisi qui remarque du coup une évolution dans la diversification des domaines de production, il s'agit plutôt ici en fait d'une recherche en fait de convergence entre les politiques budgétaires et monétaires et les politiques financières du coup qui sont menées par le gouvernement. Il y a peu de temps, on a rapporté qu'il y avait plus de 83 opportunités d'investissement et plus de 130 produits douaniers qui pourraient être produits justement en Égypte et éviter justement la fiscalité, etc. Donc du coup, je trouve que c'est un progrès assez impressionnant. Notamment avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, donc la récession, la crise économique, etc. Ce n'est pas des événements faciles et pourtant on se débrouille assez bien. Oui. On va essayer de parler un peu plus de ce sujet. Dans quel domaine nous pouvons doper l'industrialisation? Mais justement, j'ai une autre nouvelle cette fois-ci, c'est le ministre des Affaires étrangères, Sam Chokri, président désigné de la 27e session de la Conférence des Nations Unies sur le climat, COP27, a appelé tous les pays, même les parties concernées, à redoubler d'efforts et à agir d'urgence pour faire face au changement climatique afin de répondre à l'appel de millions de personnes de Parlement dans ce sujet. Ces propos ont été formulés dans un message enregistré par le ministre des Affaires étrangères, publié par le ministère sur ses comptes des réseaux sociaux. Chokri a indiqué qu'il restait 50 jours avant le début des travaux de la COP27 qui se tiendra en Égypte en novembre prochain, soulignant l'importance de ne pas détourner l'attention de l'action climatique internationale. Il a également appelé la communauté internationale à faire plus, à montrer plus d'ambition et à agir plus rapidement et d'une manière plus décisive. Donc le changement climatique représente bien sûr un défi pour tout le monde, mais l'Égypte toujours a des opportunités dans l'action climatique. N'est-ce pas? Tout à fait. Comment? Alors déjà, il est important de souligner que la COP27 se tiendra en Égypte. Donc l'Égypte joue un rôle important, que ce soit dans la région ou que ce soit sur la scène internationale. Donc on représente quand même la clé de voûte du changement climatique quand même. On observe quand même plusieurs changements climatiques qui sont alarmants. Que ce soit au Pakistan il y a quelques mois, ou que ce soit à Porto Rico hier. Donc, des séismes, des pluies torrentielles, des inondations dévastatrices. Exactement, un changement. Des sécheresses tout à fait mortelles. Et qui ont des conséquences sur, sur tous les domaines, hein, que ce soit l'agriculture, le tourisme. C'est des changements qui bouleversent quand même, qui bouleversent les sociétés. Entier, les sociétés. Et il est important justement de souligner en fait qu'il faut adapter notre comportement et prendre en compte le changement climatique dans notre démarche quotidienne. Comme vous savez même, il y a cette guerre russo-ukrainienne qui secoue le monde entier. Et en même temps, on essaye d'attirer plus d'investissements vers les pays en voie de développement. Parce que, comme vous savez, la responsabilité, la majeure responsabilité de ce changement climatique incombe sur les pays développés. C'est pourquoi il y avait des promesses de financement concernant les pays en développement, de la part des pays développés. Donc, à quel point vous trouvez que la guerre russo-ukrainienne, les répercussions qui faire un grand séisme socio-économique ainsi de suite dans le monde entier va influencer un peu plus le taux de financement de la transformation verte pour les pays en voie de développement. Alors, il est important aussi de rappeler qu'avant la guerre russo-ukrainienne, on a quand même subi le Covid-19 qui a eu énormément de conséquences et d'impacts négatifs sur l'économie mondiale. Encore une fois, il y a eu pas mal de réformes structurelles, économiques, politiques qui ont été mises en place pour, on va dire, guérir
guérir cette blessure qui est du coup sanitaire, mais à la fois aussi civile en Ukraine. C'est pas sans répercussions sur la scène internationale. On est une région assez assez touchée, notamment pour au niveau de la sécurité alimentaire. De la sécurité alimentaire, voilà, oui, de la sécurité alimentaire. Après, il faut savoir aussi saisir des opportunités, c'est-à-dire que ce soit le Covid-19 ou la guerre en Ukraine, c'est quand même 121 pays touchés. Ça n'a pas de frontières. Ça a endetté pas mal de pays, donc ça a créé un déficit. Maintenant, c'est vrai que chaque pays a des outils propres propre pays qui lui permettraient de rebondir, en fait. Donc, nous, en l'occurrence, il s'agit par exemple de l'énergie. Ouais. C'est-à-dire que nous, notre opportunité, on l'a saisie dans l'énergie, ouais. En ce qui concerne ces événements. Après, c'est sûr que ça touche d'autres secteurs où on a moins d'outils d'urgence, comme l'agriculture, par exemple. Ouais. En Égypte, on exporte pas mal de blé, et principalement d'Ukraine. On importe plutôt. Oui, on importe, pardon. On importe. Ouais. On importe énormément de blé d'Ukraine. Mm. Et puis, cette guerre a souligné quand même une importante nécessité de produire localement. Oui, oui. À la lumière de ce que vous avez dit, j'ai une autre nouvelle. Après ça, ça sera votre commentaire ou une question concernant les opportunités à saisir pour l'Égypte dans le domaine de l'énergie renouvelable, propre, verte, et ainsi de suite. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samer Chokri, s'est félicité de la tendance accrue à l'investissement par des entreprises norvégiennes en Égypte en matière d'énergie propre, d'hydrogène vert et d'industrie chimique. Le chef de la diplomatie s'est exprimé lors de l'entretien avec son homologue norvégienne, Anniken Huitfeldt, tenu en marge de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. M. Chokri a souhaité que les investissements norvégiens se multiplient en Égypte et dans des secteurs prometteurs tels que les industries agronomiques, la liquéfaction du gaz naturel, le fret maritime, entre autres domaines. Le suivi du parcours de relations bilatérales et moyens de le renforcer ont été au centre de l'entretien de M. Chokri avec son homologue norvégienne, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Donc, la question, c'est comment, encore une fois, vous trouvez cette tendance accrue des investissements pompés par le Norvège, en tant qu'un pays européen, par les Européens en général, dans le domaine de l'énergie verte, de l'énergie renouvelable, ici en Égypte, bien sûr. Et comment ça représente une opportunité à saisir de la part de l'Égypte, une bonne stratégie pour booster un peu plus l'économie égyptienne? Alors, de mon point de vue, il s'agirait plus de coopérer plutôt qu'une dépendance, comme on a tendance à le penser. Donc, il ne s'agit pas d'une dépendance d'une aide externe, mais plus une coopération. Donc, combler les manques dans certains éléments, que ce soit des éléments technico-pratiques ou financiers, tout simplement. De mon point de vue, l'Égypte est en plein essor dans le domaine de l'énergie, que ce soit dans le gaz ou dans la découverte du pétrole, mais aussi dans les énergies renouvelables. On l'a bien vu au cours de ces dernières années. Les combustibles fossiles, l'énergie solaire, les éoliennes, ça nous permet quand même une certaine autosuffisance, si je peux me permettre, mais surtout de pouvoir s'élancer dans le commerce externe, donc le commerce extérieur, et d'avoir un rôle aussi bien dans la région que sur la scène internationale en tant qu'exportateur en fait d'énergie. Donc c'est un nouveau schéma en fait pour l'Égypte qui était jusque là dépendante. Et puis je sais pas si je peux me permettre, mais à titre comparatif des pays à proximité, l'Égypte est un pays qui aujourd'hui est à 100% électrique.
Ça nous mène à une autre nouvelle qu'on a aujourd'hui. Pendant les rencontres effectuées par M. le ministre Samar Chokri avec son homologue chypriote, M. Ioannis Kasoulidis. Les deux hauts responsables se sont mis d'accord sur le renforcement de la coopération commune commerciale et économique et l'activation de memorandum d'entente dans le domaine de l'interconnexion électrique. Ça reflète les relations particulières entretenues entre les deux pays des relations qui ont porté sur la coordination des positions mutuelles. M. Chokri a félicité son homologue chypriote pour l'annonce de la dernière découverte de gaz, exprimant son aspiration à coordonner les positions dans le cadre de la préparation de la réunion ministérielle du Forum du gaz de la Méditerranée orientale qui se tiendra en octobre dans la capitale chypriote. Donc, vous venez de dire que l'Égypte est devenue... un taux d'électrification de 100%. Mmh. Oui. Plutôt, l'Égypte est devenue un hub, un centre régional et mondial pour des différentes sources d'énergie. Mmh. Alors que le monde tout entier... Voilà, c'est ce que je disais un peu souffre, plus tôt. Hein. Voilà, il faut savoir saisir dans ces moments difficiles certaines opportunités. Et... disons qu'on s'en est plutôt bien sorti avec toutes ces crises. Économiquement, on est, si je ne me trompe pas, au 13e rang mondial en tant que exportateur ou producteur de gaz. Ce qui est important à souligner parce que du coup, quand on observe les conséquences que peuvent avoir le Covid ou la guerre russo-ukrainienne, comme je disais, à titre comparatif, les pays à proximité se situent bien en dessous du taux qu'on présente aujourd'hui d'électrification. Et au-delà des accords qu'on peut avoir avec les pays dans la région ou même un peu plus éloignés, on est devenu aujourd'hui, on a saisi cette opportunité pour être aujourd'hui un distributeur d'énergie. Ouais. C'est-à-dire que même si l'Europe a aujourd'hui 100% de taux d'électrification, il y a quand même une dépendance qui s'est soulignée récemment, avec une volonté du coup de se recharger chez nous. Oui, se recharger chez nous. Oui. Donc, ça va nous mener à une autre question, mais justement, j'ai un reportage à proposer concernant les investissements étrangers, notamment les investissements arabes venus ou pompés par les pays du Golfe ici au sein de l'économie égyptienne. J'aimerais bien sûr vous proposer une question et écouter votre remarque d'aujourd'hui en ce qui concerne les évolutions qu'a eu l'économie égyptienne durant les derniers jours ou les dernières années. Et comment ça reflète de plus en plus la confiance, non seulement des Arabes, mais aussi du monde entier en ce qui concerne les potentialités dont dispose l'Égypte actuellement. Mais tout d'abord un reportage. Après ça, on va écouter attentivement vos commentaires de notre star d'aujourd'hui. Un reportage. Le document de développement économique et social pour la nouvelle année fiscale 2022-2023, soumis par la ministre du Plan, Dr. Hala Saïd, a constaté que les flux d'investissement des pays arabes du Golfe vers l'Égypte augmentent, surtout après la disponibilité d'opportunités d'investissement prometteuses et le fort soutien des fonds souverains. Cela intervient à la lumière des attentes du document de développement économique et social, selon lesquelles le produit né des investissements directs étrangers augmenterait par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 8 à 10 milliards de dollars d'ici fin 2022 contre environ 5,2 milliards de dollars en 2021-2022. Le document du plan a mis en évidence les efforts déployés par le gouvernement pour stimuler davantage les flux d'investissement. Le plan a également jeté la lumière sur la solidité du climat d'investissement en Égypte qui encourage les entreprises étrangères à établir leurs projets en Égypte pour profiter de sa situation géographique distinguée et des incitations stipulées par les lois sur l'investissement, tout en soulignant l'importance des zones économiques à caractère particulier, à savoir la zone économique du canal de Suez et les zones industrielles qualifiées. Parmi les démarches entreprises figurent les efforts de l'Égypte visant à relier les marchés asiatiques à l'est du continent et les marchés européens à l'ouest.
En plus de l'importance de l'Égypte en tant que débouché pour le marché africain prometteur, stimuler les investissements arabes dans des projets conjoints avec des entreprises nationales et le Fonds souverain égyptien pour l'investissement et le développement. L'État continue de créer un climat attractif pour les investissements en vue d'attirer les capitaux mondiaux et de mettre en œuvre des méga-projets dans divers secteurs d'une manière qui renforce l'économie nationale et contribue à stipuler significativement les taux de croissance et d'emploi. Donc de plus en plus, des investisseurs arabes, notamment du pays du Golfe, essayent d'injecter plus de fonds, plus d'investissements ici en Égypte, car l'Égypte possède plusieurs points forts dans le cadre de ces conditions tout à fait difficiles, tout à fait exceptionnelles que traverse le monde entier. Et l'un de ces points forts, c'est l'énergie. Les différentes sources d'énergie dont dispose actuellement l'Égypte, et ça attire beaucoup les investisseurs arabes, mais aussi les investisseurs étrangers, parce que là-bas, il y a, en Europe par exemple, il y a un manque d'énergie, souffre actuellement de cette crise énergétique. Donc j'aimerais écouter votre commentaire, votre remarque en ce qui concerne toute cette situation. Alors je pense que... Il y a plusieurs éléments à prendre en compte quand on choisit d'investir. Et l'Égypte a su prouver à l'ensemble de la scène internationale ses capacités économiques, budgétaires, politiques, sociales. L'Égypte a eu un taux de croissance de 5,5% PIB en 2021, malgré ces crises. Donc c'est quand même un climat stable et... est favorable pour les investisseurs. Maintenant, le secteur de l'énergie, c'est en plein essor. Ce n'est pas le seul secteur qui attire les investissements étrangers, mais c'est en plein essor. Tout d'abord par la dépendance, qu'on a souligné plus tôt, vis-à-vis de la guerre qu'il y a en Ukraine, mais aussi le Covid, etc. Donc, c'est vrai que ça peut... comment dire ? Ouais. En fait, avant de passer à l'antenne, nous avons parlé ensemble de la croissance multisectorielle. Et comment l'Égypte peut arriver à réaliser ce but ? Alors, tout d'abord, je pense que l'Égypte a le capital humain. C'est-à-dire qu'on est une population grandissante, jeune, un taux de chômage qui est en plein déclin. Donc le chômage baisse considérablement. Vraiment ? Oui. C'est le marché. Vous avez remarqué ça ? Oui. Et tous ces investissements et ces projets dont on parle quotidiennement, il ne faut pas oublier que derrière, c'est une création d'emplois. C'est une création d'emplois quand on parle du domaine d'agriculture qui représente 15% du PIB et 30% de la population active, c'est pas rien. C'est pas rien. Et puis, il y a des domaines comme ça sur lesquels il faut s'attarder et réfléchir en fait comment est-ce qu'on peut en tirer profit. Et là, clairement, pour une population grandissante comme celle de l'Égypte, le doigt sur le chômage, la réduction du chômage et puis booster l'industrie qui représente quand même un... En fait, j'ai rencontré des Égyptiennes ou des Égyptiens qui ont vécu un long temps à l'étranger, mais qui viennent actuellement en Égypte parce que l'Égypte est plein d'opportunités de travail plus que l'Europe. Est-ce que vous avez touché ça dans votre étude ? C'est une société en pleine transition. Vraiment ? Oui. C'est une société en pleine transition économique, politique. Et qui a besoin ? On voit quand même l'introduction de la technologie, du numérique. Il faut quand même souligner qu'on était un peu en retard par rapport à ça. Et finalement, c'est en plein essor et ça fait toute l'actualité.
Oui, et c'est une société ou c'est un État qui a besoin même de différentes générations des expatriés, des Égyptiens qui vivent à l'étranger, parce que, comme vous venez de nous souligner, l'être humain ou le capital humain, c'est presque le grand trésor que possède l'Égypte actuellement, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui. Mis à part le capital humain, je pense que l'Égypte a tout pour réussir une bonne croissance économique sur les années à venir, que ce soit dans l'énergie ou dans les autres secteurs. Hein. C'est une société attrayante pour les investissements, mais aussi pour les personnes qui souhaitent se relocaliser en Égypte et poursuivre leurs projets. Oui, oui. J'aimerais vous proposer, chers téléspectateurs, actuellement un autre reportage qui va jeter plus de lumière sur les initiatives, les différentes initiatives, les différents efforts faits ou adoptés par l'Égypte afin de faire face à ces vagues inflationnistes qui frappent le monde entier, importées de l'étranger. Donc, comment ça, c'est ce qu'on va savoir à travers un reportage qui va vous donner plus d'explications en ce qui concerne ces efforts. Un certain nombre de citoyens ont exprimé leur remerciement et leur gratitude au ministère de l'Intérieur pour cette initiative qui leur a donné la possibilité d'acheter des fournitures scolaires de haute qualité à des prix inférieurs de 30% à ceux de leurs homologues sur les marchés. Les citoyens ont également salué l'initiative « Nous sommes tous un » et son rôle dans la fourniture de produits alimentaires et non alimentaires à des prix réduits. Ils ont exprimé leur remerciement au ministère de l'Intérieur pour le lancement de telle initiative, qui reflète le développement de la pensée sécuritaire du ministère et sa conviction de la nécessité d'une participation communautaire efficace, en particulier pendant les vacances et les saisons sociales, religieuses et nationales, ce qui construirait des ponts de confiance entre les citoyens et les policiers. Début septembre, le ministère de l'Intérieur a lancé les activités de la 23e phase de l'initiative « Nous sommes tous un » sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sissi dans toute la République à l'occasion de la rentrée scolaire et comprend le don de 32 000 sacs d'école aux zones les plus nécessiteuses et les plus soignées. Ceci s'inscrit dans le cadre des directives de la direction politique de prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir le système de protection sociale des citoyens et dans la continuité de la stratégie du ministère de l'Intérieur de consacrer le rôle social du système de travail de sécurité en contribuant à lever le fardeau pour les citoyens. L'initiative Nous sommes tous un est l'une des plus grandes initiatives communautaires lancées par le ministère de l'Intérieur dans le cadre du rôle sociétal du dispositif du travail sécuritaire pour contribuer à alléger la charge des citoyens. Elle s'inscrit dans le cadre des directives des dirigeants de prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir le système de protection sociale des citoyens. Donc en fait, comme vous avez vu, le ministère de l'Intérieur essaye d'assumer sa responsabilité sociale et ça dans le cadre des projets, des plans de l'État visant à proposer de plus en plus des paquets de protection socio-économique dans cette crise de récession, crise énergétique, crise céréalière, des crises compliquées, interdépendantes. Oui. Et vous êtes toujours, si je peux dire, une observatrice, une experte dans le domaine de comment faire des études sur le terrain concernant la performance de l'économie égyptienne. Donc j'aimerais écouter votre remarque ou quels sont les points que vous proposez toujours aux investisseurs dans vos études économiques bien sûr. Oui, alors... Dans le cadre des études que je propose aux investisseurs, il en fait en effet partie la prévention sociale et les initiatives mises en place par le gouvernement pour
proposer à l'ensemble de la société une certaine équité, une certaine égalité entre citoyens. Et ça, c'est important à souligner parce que le budget quand même qui a été voté pour cette initiative est quand même de 130 millions de livres égyptiennes pour la prévention sociale. Donc c'est quand même assez important pour une population grandissante comme la nôtre. Ouais. Ouais. Et en même temps, on trouve, comme ça s'est montré sur l'écran, des images qui nous exposent quels sont les efforts de l'État égyptien afin de donner accès aux gens à des produits subventionnés, moins que vendus par des prix moins que sur les autres marchés. Cela est un point fort, n'est-ce pas ou non? Bien évidemment, oui, c'est quelque chose à souligner. Ça rassure, par exemple, les investisseurs en ce qui concerne les dimensions socio-économiques. C'est une valeur ajoutée. Tout à fait, oui, c'est une valeur ajoutée de se dire que finalement, c'est une société où l'égalité prime, où la prévention sociale est au cœur de l'actualité, au cœur de la politique menée par le gouvernement. Donc bien évidemment que ce que c'est un indicateur qui est pris en compte lors des choix. Ouais. Tout à fait, et ça fait partie du management ou de la gestion de l'État égyptien de ces crises. Ça fait partie du management public, voire même du new management public, dans le sens où il y a une adaptation à nouveaux événements auxquels on n'avait peut-être pas affaire auparavant, hein, comme le Covid ou comme d'autres événements qui apparaissent, le changement climatique par exemple, où du coup il y a une certaine adaptation de quelle stratégie adopter et quelle réforme mettre en place. Donc là, il s'agissait d'une réforme monétaire et budgétaire. Donc comment... Et comment, mais ça même s'inscrit dans le cadre du plan de l'Égypte de 2035. Oui, concernant la lutte contre la pauvreté, par exemple. Alors 2030, 2035 et également les 17 goals de l'Union, de UN. Ouais. Pardon. The 17 goals of the UN. Les 70 objectifs 17 objectifs, ouais. Oui, 17 objectifs qui ont été mis en place des Nations Unies, oui. L'Égypte est très active. Dans la lutte contre les inégalités. Dans la lutte contre les inégalités, la pauvreté. La faim, l'éducation. Tous les domaines sont importants. Oui, jusqu'à maintenant, on ne souffre pas d'un manque de d'enrées stratégiques ou de... Ah non. Ça prend en considération quand on parle. Bien évidemment, il y a un an, l'Égypte pouvait couvrir un mois de dépenses. Ouais. Un mois de d'enrées en fait. Ouais. Ça. Aujourd'hui. Ça signifie quoi pour vous en tant que... Aujourd'hui, on est à peu près à 3 mois. Donc c'est quand même un avancement, un progrès. Ah oui, un très grand progrès en l'espace d'un an. Ouais. J'aimerais encore une fois vous proposer avec nos chers téléspectateurs notre reportage sur Vie décente. À travers différents instruments, l'Égypte essaye de lutter contre les inégalités, lutter contre la pauvreté. Comment? C'est ce qu'on va savoir. L'initiative Haya Karim ou Vie décente contribue à la mise en œuvre du plan de développement durable d'ici 2030. Cette initiative, lancée par le président Abdel Fattah el-Sissi en 2019, est l'un des projets nationaux les plus importants, puisqu'elle met en application divers projets pour améliorer la qualité de vie des villageois. Le développement durable dans les sociétés rurales, la réduction du taux de pauvreté de 14%, l'élimination de la faim, l'amélioration de la couverture sanitaire de 18%, ainsi que la fourniture des services de base, comme l'eau potable et les réseaux de drainage sanitaire. L'initiative accorde la priorité aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux micro-entreprises et à la prestation des services sociaux
éducatifs et culturels. Les interventions dans le cadre de l'initiative comprennent l'autonomisation économique, les services à la famille et à l'enfance, la sensibilisation sanitaire, ainsi qu'une gamme de services liés au développement et à l'autonomisation sociale des citoyens. L'initiative comprend deux phases. La première a vu la participation de 20 instances et ministères, en plus de la coopération de 23 ONG et du secteur privé. Plusieurs partis politiques, dont Mustaqbal Watan, y ont aussi collaboré. Et tout cela sous la supervision du ministère de la Solidarité sociale. Cette première phase vise le développement de 375 villages parmi les plus pauvres, dont 14 gouvernorats, en fournissant les services essentiels dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des infrastructures. L'initiative a commencé par ces villages, car ils sont les plus touchés par la pauvreté. D'après le recensement de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques, le taux de pauvreté dans ces villages s'élève à 70%. Le nombre de villages restaurés doit passer à 1500 après le coup d'envoi de la deuxième phase en janvier 2021 et qui devrait être achevé en 2024. Cette phase a pour principal axe la durabilité. Cela ne pourrait être réalisé dans la sensibilisation des habitants aux défis qui entravent le développement, comme la population galopante, la toxicomanie et la violence. C'est une réussite à enregistrer pour l'État égyptien. Une bonne qualité, ou plutôt des politiques visant à changer la qualité de vie des citoyens, à alléger le coût de vie, parce que par exemple, Liz Truss, qui vient de prendre ses fonctions au Royaume-Uni, l'un des points essentiels, l'Égypte, une autre réussite à enregistrer, à marquer, à souligner l'Égypte. Jusqu'à maintenant, ne souffre plus des énergies, ne souffre plus des crises céréalières ou alimentaires, mais alors qu'on trouve que des accusations qui sont lancées par beaucoup d'experts, concernant, même par l'US, concernant la monopolisation des Européens des exportations céréalières venues de l'Ukraine, ou exporté par l'Ukraine, et toujours les Européens mettent la main sur ces exportations et les pays africains souffrent de crises énergétiques, de crises céréalières, ainsi de suite. Donc, je sais que vous êtes impliqué dans des études concernant quelques comparaisons entre les pays dans ce domaine. Quelle est votre remarque à faire là-dessus ? Alors, du coup, quand on fait une étude, c'est vrai qu'on prend plusieurs éléments en compte afin que l'étude soit la plus complète possible. Maintenant, en ce qui concerne l'Égypte, il s'agit plus de comment est-ce qu'on redistribue les dépenses publiques. Quel secteur est plus en demande ? Comment se concentrer sur quelque chose en particulier. Et là, en l'occurrence, en Égypte, c'est dans sa globalité l'amélioration sociale et humaine, bien plus qu'économique. Donc, quand on parle d'accusations, etc., j'ai envie de dire, venez voir. Venez voir comment est-ce qu'on s'en sort. Tout ce qui est mis en place pour la société, toutes les réformes structurelles et financières qui sont menées, les institutions internationales qui nous saluent pour nos progrès, pour notre croissance. On enregistre quand même des chiffres qui ne sont pas enregistrés, comme je disais tout à l'heure, dans les pays frontaliers ou les pays à proximité. Donc c'est quand même quelque chose à souligner. Donc ce changement de la qualité de vie des citoyens ne se trouve dans la région, que ce soit africaine ou dans les pays arabes à proximité, d'après votre étude. Alors, à titre comparatif, oui. Mais après, ça reste propre au pays. C'est-à-dire les progrès qui doivent être menés, les changements qui doivent être menés. En Égypte, on avait quand même un gros chantier. Un gros chantier à refaire et on voit pas mal d'actions.
On voit pas mal d'actions, la nouvelle capitale, les nouvelles villes, l'élimination des bidonvilles, la relocalisation de la population. Tout ça, c'est quand même des actions qui sont menées pour le bien de la société et puis pour le bien des citoyens. Et le projet agricole établi, bien sûr, par l'État égyptien afin d'empêcher le fait d'arriver à cette sorte de crise céréalière très flagrante, comme on touche dans le monde entier, vous poussez à faire des remarques là-dessus pour les investisseurs, pour ceux qui veulent investir en Égypte. Oui, bien évidemment, on prend en compte les projets qui sont en cours. Mmh. Par exemple, en Égypte, il y a un projet qui est en cours avec Hassan Alam. Mmh. Sans mentionner les noms. Oui, voilà, qui est en cours du coup pour développer les terres arides, pour développer l'agriculture en l'occurrence. Et c'est une action encore une fois qui est à souligner parce que c'est ce qui est mis en place pour le progrès économique et social. Ouais. Justement pour ne pas faire face à ce type de crise ou ce type de dépendance, si je peux le dire. Ouais. Comment vous trouvez le recul de la livre égyptienne face au dollar du point de vue, par exemple, industrialisation, exportation, tourisme? Est-ce que, par exemple, ce recul a, bien sûr, il y a des points forts, des points faibles. Mmh. Parmi les points forts, c'est le fait d'encourager les producteurs égyptiens à exporter vers l'étranger, à être compétitifs quand on exporte à l'étranger. Mmh. Est-ce que vous avez fait quelques remarques là-dessus? Alors, comme vous l'avez souligné, il y a des points positifs et des points négatifs. Mmh. Après, moi, de mon point de vue, sur un court terme, c'est bénéfique à l'économie. Ouais. Dans le sens où, oui, ça va encourager les investissements, ça va encourager le tourisme, ça va encourager plusieurs projets. Après, sur le long terme, c'est sûr que ce n'est pas envisageable. Mais laissons déjà les choses faire... Le cours des choses telles qu'elles sont, et ensuite établir un constat après avoir fait nos preuves. C'est-à-dire que quand l'Égypte a eu une croissance de 5,5%, ce n'était dans aucune étude en fait qu'on pouvait avoir autant de progrès, qu'on pouvait avoir autant de croissance, et pourtant on l'a fait. En fait, notre ministre des Finances a déclaré que notre volume d'économie a triplé pendant seulement 6 ans, pour prouver votre parole. Ma dernière question porte sur... Je sais que vous êtes française, d'origine égyptienne, et vous vivez en France. Donc, ma question porte sur... À quel point vous trouvez que l'Égypte est devenue de plus en plus attractif pour les Européens qui vivent actuellement dans des conditions difficiles du point de vue énergétique, du point de vue de cette guerre russo-ukrainienne? Est-ce que les destinations touristiques égyptiennes sont devenues, par exemple, attractives? L'économie égyptienne et le domaine industriel de l'Égypte va attirer ces gens ou non, dans une presque minute? Alors oui, dans le sens où on entend bien parler de l'Égypte, que ce soit la politique des grands travaux, que ce soit pour le tourisme, que ce soit pour son économie, que ce soit pour son climat. Donc oui, c'est un pays qui est stable et qui est surtout attrayant et attractif du coup pour les jeunes et pour les personnes en Europe qui souhaitent. Changer en fait de vie, d'environnement, que ce soit un environnement, que ce soit un changement professionnel ou un changement, c'est pour moi un pays qui serait attrayant. Ouais. Avec cette dernière conclusion, j'aimerais clôturer cette édition. Merci beaucoup, Samar Ahmed Al-Assad, notre grande
experte dans le domaine des relations internationales, mais aussi études économiques. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et c'était donc la fin pour cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine. Au revoir.